إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Louange pour remercier pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fit avenir la terre, celui qui envoie sur la terre avec un objectif. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous connaître qui obéit celui qui a l'iman. Gagne la foi Allah subhanahu wa ta'ala. اتق الله اتق الله جاي تقوى الله سبحانه وتعالى حق تقاته أن يضغل فغيية ولا تموتن إن أبامو إكسبتك إلا وأنتم مسلمون إكسبتك جدون لتا دسوميسيون إكسبتك جد موكم من مسلمان من فهم الساكن الإيمان كالله سبحانه وتعالى في الأرض وإنه سلاحي لا Il connaît très bien qu'il s'attend à la des capables d'éviter nous depuis nous l'objectif. Que Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Mon appart entre djinn et insan, excepté pour qu'il vive mon ibadat. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il connaît très bien celui qui connaît toutes les choses, il connaît très bien qu'il s'attend à la et souvent le plaisir, il est capable d'éviter nous depuis sa l'objectif. Et faire pour qu'il se bat sur l'esclave. Allah subhanahu wa ta'ala, mon frère, ma soeur, qui est l'animal, lui fait une promesse qu'il prenait un jour qui appelle le jour de la résurrection, que pour récompense ou punir nous d'après nos bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhannas, ô bandinoun, inna wa'adallahi haqq. Certainement, promesse Allah, c'est une vérité. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Alors on n'a pas laissé dunya la salabi dunya la troubze. Inna الشيطان لكم عدو مبين. Inna الشيطان عدو العدو والعدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Certainement, شيطان c'est un ennemi pour vous. Prends-lui comme vous l'ennemi, lui invite ce groupe pour qu'il soit être pour lui, le compagnon du fait. Malgré ma soeur qui est l'animal, Allah subhanahu wa ta'ala se promesse livrée. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit qu'il connaît un groupe qui peut être soit récompensé, soit puni d'après ce qu'il vient faire dans sa vie. Alors dans sa vie, ayat-là, dans le premier ayat-là, Allah subhanahu wa ta'ala, lui avait dit contre. Un fitna, c'est fitna de dunya, que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé sa dunya là comme ça. Dans la deuxième ayat, Allah subhanahu wa ta'ala fait une bonne concernant la réalité de Shaytan. Le deuxième fitna, le deuxième de Shaytan. En vérité, mon frère, ma soeur, qui est l'imam, quand il dit fitna dunya, il ne faudrait pas qu'il nous mélange qui sa dunya là, il y a quelque chose qui n'a pas bon, qui contenir, excepté ce qui n'est pas bon. En vérité, sa dunya là n'est pas quelque chose qui est répréhensible.
Il n'y a pas quelque chose qui, quand nous causons une dénigrerie, quand nous causons une cause mal en bien, ou bien nous présenter d'une telle façon qui, sa dunya là n'a pas une allure du bien là-dedans. Au contraire, sa dunya là, c'est un pot pour le serviteur entre lui et Jannah. Et sa dunya là, c'est pour qu'il nous bâtit et nous attire, et c'est que nous devons prendre une disposition nécessaire pour qu'il nous gagne Jannah Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça même que certains salaf, radhiyallahu anhum, l'expédiaient qu'une fois, c'est une personne qui vient de Ali radhiyallahu anhu. C'est une personne de Sidine Ali radhiyallahu anhu, qui nous a dit Ali radhiyallahu anhu. Il fait dénigrer sa dunya là, il fait mal parler sa dunya là. Ali radiallahu anhu, il dit Ali, dunya c'est une demeure de vérité pour moi. Moi qui ai un iman, c'est une demeure de vérité. Une demeure de bien-être pour moi qui comprend. Moi qui comprend notre réalité dans sa dunya là, c'est une demeure de bien-être pour moi. Parce que je te dis, je te l'habite après l'islam. Et une destination de réussite pour moi qui se en sécurité. Mon problème de la sécurité, mon frère, mon soeur, mon iman, c'est à travers l'islam. Veut dire, pour moi, celui qui est dans l'islam, dans ce, veut dire, pour ce, je trouve qu'il s'agit de la et d'un divin pour ce, à l'intérieur de la langue. Et la langue de Dunya, Ali radiallahu anhu, dit, il a un masjid de mon prophète. J'ai fait référence à ma place. Avant quelque chose qui nous tient à une trésor de sa dunya là. Là-dedans, il y a la dunya, il y a un masjid de mon prophète d'Allah, un lieu de révélation, lorsque la révélation vient descendre, nous sommes là de mon malaïka, lieu de repos de mon audiya, que je t'ai obtenu à Rahman, que je t'ai obtenu la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je t'ai travaillé pour Jannah, alors qui sont là qui sont capables de nous venir. Ali radiallahu anhu, lui montre une qualité de capable de bien servir sa dunya là et lui montre nous, mais il y a une vraie raison de sa dunya là. Peut-être que nous pensons que la raison de sa dunya là est trouvée dans l'économie d'un pays ou bien quantité d'eau, quantité de pétrole qui s'appuie la dunya. En vérité, la parole de Ali radiallahu anhu montre nous que toute raison de sa dunya là faudrait qu'il y ait une valeur d'après l'islam. Faudrait qu'il y ait une valeur d'après l'islam. Alors, Ali radiallahu anhu, il dit qu'il s'en est capable d'imiter mal pas de quelque chose qui a autant de trésors, autant du bien pour mal mine là-dedans. Alors, mon frère, ma soeur, qui est mal. En vérité, nous ne besoin pas dénigrer ou mal pas du bien. Mais seulement, nous devons faire attention pour que sa dunya là n'a pas dévié nous de nos objectifs. Nous devons réaliser que sa dunya là, pareil comme il y a sa bande du bien qui nous fait mentionner là. Comme ça même, il y a une bande du mal qui est capable de nous dévier de nos objectifs. Et la même fitna là-dedans. Et la même quelque chose qui est capable de dévier nous, la même plaisir qui est capable de dévier nous depuis nous, l'objectif qui trouve dans. Alors, mon frère, ma soeur, quel animal ? Celui qui, en vérité, il laisse dévier par sa bande, qui est chose de moderne, sa bande qui est chose de nana, en vérité, c'est une personne qui est frappée par le fitna de dunya. C'est une personne qui nous dit le fitna de fitna de dunya. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna alladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bi hayati dunya. واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. C'est tellement bon qu'il a l'espoir pour joindre nous. Je suis satisfait. Celui qui peine à l'espoir pour joindre nous, je suis satisfait avec la vie du mien. Je suis senti jeune en tant qu'il était avec lui. Et je suis inattentif à propos d'une maxime. Sa bonne âge de destination, c'est différent. Rien pour ce qui se tient à terre. Ma frère, ma soeur, qui est l'animal. Allah subhanahu wa ta'ala, lui a bien dit nous compte, ben celui qui je n'ai pas et n'a l'espoir pour jeûner. Peut-être je peux oublier. Peut-être une personne qui connaît, il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de ce bon karmal qu'il fait, de ce bon parole qu'il causait, et la fois il n'a pas réfléchi, et il a essayé de cause d'après pour dire, il n'a pas pu avoir la rencontre devant Allah. Alors, ma frère, ma soeur, qui est l'animal, Allah subhanahu wa ta'ala.
Ben je dis la réalité de ma vie. Ben je vais essayer de gagner plus de sa dignité à qui faire parce que je n'ai pas eu l'espoir pour arriver là. Et je sens qu'ils sont en tranquillité avec lui. Nous, en tant qu'imam musulman, nous n'avons pas senti nous en tranquillité dans sa dignité là. Qui fait mal frère, mal soeur, qui est l'imam parce qu'il nous connaît qu'il 24-7, nous n'avons pas l'ennemi qui m'éveille nous. Nous n'avons pas l'ennemi qui veut attaquer nous. Qui est venu petit petit jusqu'à nous, l'amour, l'imam pour attaquer nous, c'est Shaitan. Pour moi qui est un mu'min, il n'a pas senti lui dans ton tranquillité, alors qu'il se lève, il a dit tout le temps, pétit-lui de votre boîte à clé. Et maintenant, j'ai été inattentif à propos de Mansi. Quand il dit, man koufar, le tristesse vis-à-vis man kitsu, Mansi, il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il y a une inondation, quand il y a la sécheresse, quand il y a un cyclone, quand il y a un tsunami, je considère ça comme quelque chose qui est naturel. Je n'ai pas tiré les leçons de lui là-dedans. En fait, en vérité, un musulman n'a pas comme ça. Quand il trouve ça quelque chose qui ne passe pas sur le point, une catastrophe, ou bien un tsunami, une tempête, etc., la sécheresse, nous trouve qu'il s'est banni depuis Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous disait avec une baisse arabe là. Alors ça va là, celui qui n'a pas agi comme ça, ça va là, notre destination, c'est différent pays pour ceux qui se finissent à guérir. Al-Hassan al-Basri, il dit une parole. Il dit, Hubb al-Dunya raqsu kulli khatiya. L'amour du dunya est le sommet de tout mal péché. Quand il dit que tout le péché qui est là, qui est un jour, faire, nous trouvons qu'il en premier lieu, sa personne-là ne développe plus beaucoup l'amour pour le dunya qui est agréable dans sa vie et qui commence à pécher là. Il vient à faire ça, trouver que sa personne-là dans sa vie là, il vient trouver le dunya plus meilleur pour lui qui est agréable dans sa vie là. Il vient consommer un intoxicant, il trouve qu'il dans sa vie là, le dunya, il vient de dépôt, il vient d'inac sur la tête, il vient d'enlever le stress. Il n'a pas fini avec la carte pour soit agréable dans sa vie là. Mais dire l'amour pour Dunya de Salé-là, il finit, peut-être pousse pour faire sa péché là. Alors moi, Hassan al-Basri, bien l'amour de Dunya, il est le sommet de tout bas de péché. Et ressource en roi pour Ali wa sallam. Il fait une bonne réalité des enfants à Adam. De Mal Insan, il dit, six enfants à Adam tiennent une vallée remplie de richesses. Peut-être qu'il y a une vallée complète en des montagnes qui remplit avec ma richesse les tibourettes et le deuxième. Jean-Paul Adam, les tibourettes et le deuxième vallée comme ça. Si les tibourettes et le deuxième vallée là aussi, Jean-Paul Adam, les tibourettes et le troisième. Alors, sur son nom, il dit, il n'y a pas un homme qui remplit vente de Jean-Paul Adam, excepté l'amour. Excepté la poussière, tout l'homme. Mais frère, ma soeur, qu'il y a une image. Est-ce qu'il se passe à la réalité? C'est qu'il nous trouve dans une société comme les frères de la guerre pour la pierre. Après un bout de terrain, après ça même un petit bout en plus. Mais vraiment, c'est bien l'imam. Quand nous réalisons que ça bout de la terre qui nous laisse, la boue ça. C'est la poussière ça. C'est la pierre ça aussi. Il y a du monde qui fait crime à cause ça. Il faudrait qu'il parle sur son nom, allez, il s'est même contenir la vérité là-dedans. Ils ont dit, Adam, non, il n'a pas rempli ce mot, excepté la boue, excepté la terre. Mes frères, mes soeurs, il y a un imam. En tant qu'imam musulman, il y a un doute qui nous a préféré à faire que Dunya. Pour nous, c'est qu'il y a dans sa Dunya la litigue. Comparé à celui qui mot avec l'imam, c'est qu'il est réservé pour lui à faire. Mais la question qui nous a posé de nous, est-ce qu'il nous préfère à faire plus qu'il y a nous? Une question qui chacun nous a posé de même en tant que musulman, est-ce qu'il nous préfère à faire vraiment plus qu'il y a? Allô, ma frère, ma soeur, une animale. Nous disons que très bien, qu'il y a un petit moment où il y a un malheureusement qui peut venir prendre le jour et nous n'avons plus de sa là. Nous disons que très bien qu'il nous séjourne dans sa dunya là. Les très très cool, extrêmement cool. Nous tous nous connaissons très bien qui, dans un tour, il y en a, nous supposons, peut préparer nous pour un. Nous tous nous connaissons très bien
qui tout ce qui est dans le Saturnien, il n'a pas venu ni en comparaison avec ce qui est dans la terre. Jouissance de Nia, il est fermé à ça. Jouissance de Nia, il peut être tiré les temps, ça temporaire à ça. Peut-être dans le Nia, même il va pouvoir ici, je vais le complète en tenu la vie. Peut-être des ans, le 60 ans qu'il faut vivre, il vous dit à sa famille là, sa jouissance là. Après, il y a vous dit à lui, jouissance de Nia, il y a des choses qui, éphémères, il va durer. Mais jouissance là, il y a qui vous durer. Jouissance de Nia, il n'a pas eu aucune valeur. Mais c'est jouissance à la privade qui n'a grand valeur. Mais frère, ce qu'il y a, nous tous nous connaissons bien ça dans la réalité. Là. Nous connaissons bien parce que nous l'islam qui enseigne nous concernant ça. Nous l'islam qui enseigne nous pour nous vivre par balle intelligente de sa lumière là. Nous l'islam qui enseigne nous pour nous vivre à l'intérieur. Pour le travail, pour nous akhirat, pour nous sacrifier du dunya, pour nous faire akhirat. Mais malheureusement, mon frère, ma soeur, il est humain. Nous connaissons sa réalité là, nous. Mais malheureusement, nous laissons nous tenter. Malheureusement, c'est la tentation qui nous coule le bateau, moi je dis. C'est la tentation, nous sommes capables de nous prévoir, nous connaissons tous sa réalité là, nous apprenons depuis le titi. Mais seulement, pour entendre à ce moment-là, il paraît devant nous, les boules s'abattent là. Alors, mon frère, ma soeur, qui est humain, il ne faudrait pas qu'il nous laisse nous influencer avec ce qui nous tendait. Faudrait pas qu'il nous laisse nous émerveiller par ce qui nous reste témoigné. Faudrait pas qu'il nous presse pour qu'il nous amuse. Nous, l'amusement n'est pas dans cette lumière-là. Au lieu qu'il travaille pour l'akhirat, un insan, un musulman qui est intelligent, il travaille pour ce dunya. Il travaille pour ce akhirat aussi. Il n'a pas fait le contraire. Il n'a pas travaillé juste pour ce dunya. Ou bien il n'a pas dit qu'il vise juste à l'akhirat. Un musulman qui est intelligent, il vise tous les deux. Mais il donne priorité à ce akhirat au lieu que ce dunya. Il ne faudrait pas qu'il nous piétine ou akhirat. Alors, mon frère, ma soeur, qui est l'animal, si nous négligeons envers nous akhirat, comment est-il possible pour nous dire qu'il nous préfère akhirat au lieu qu'il nous mène? Si nous connaissons ma tentation dans nous, si nous connaissons ma beauté de sa dunya là, ma trésor de sa dunya qui est venue là, de dire, une jouissance pour nous, nous préférons ça, nous aimer bien pour ça. Alors comment nous n'avons pas à dire que nous préférons un terrain au lieu qu'il y a? Alors mes frères, ma soeur et mes mères, est-ce que vous voulez continuer comme ça? Est-ce qu'il pas qu'il arrive pour nous prendre une décision qui est bizarre? Est-ce qu'il jusqu'à rien nous pouvons réaliser comme nous? Façon de vivre, ça a été là permis de vivre. Façon de vivre qui m'a fait vivre jusqu'à maintenant, quand tu permets moi. Le bien-être de tout le monde seulement, ou bien d'un intérêt aussi. Alors, mon frère, ma soeur, qui est animal, on veut nous dire, nous tous nous sommes d'accord qui nous préfèrent rire. Qui nous les vient trop attachés avec sa douniana. Nous voulons sa douniana trop beaucoup de nous les temps. Nous fait trop galop derrière sa dunya là. Et nous méfie une existence derrière sa dunya là même. Mais frère, ma soeur, qu'il y a une âme. Si ça, c'est pas mal bon et rien qui nous peut faire, mais nous avons posé la question. Mais qui mal bon et rien qui nous peut faire? Si préfère dunya qui est à la terre, qui va mettre au lit comme mal bon et rien, mais qui est mal bon et rien qui nous peut faire? Allô? Connais qui en tant que man est intelligent. Est-ce qu'il est capable de laisser ce qui m'est dire et capable de laisser ce qui est inférieur? Est-ce qu'il est capable de laisser ce qui peut durer et capable de laisser ce qui est éphémère? Mes frères et soeurs qui est humain, réfléchis. Il n'a pas trop tort pour nous changer. Il n'a pas trop tort.
trois décisions qui les aident. Mes frères, ben, je sais qu'il est nous, je commence par connaître la réalité de sa lumière. Connaître qu'il est d'être une amnistie valée et qu'il veille à l'amnistie valée. Qui s'agit d'un qui peut dire nous qu'il donne il n'a pas une avalée pour parler à un rival. Alors, mes frères, ben, je sais qu'il est humain. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître. Qui sa dunya là n'a pas de raison d'ormir devant Akhira. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Wala al-hayatu dunya, salam dunya là, n'est pas d'ormir, illa la'ibu, excepté un jouet, excepté un badinage, wala et un amusement. Wala d'arru l'Akhira tu khayru lilladina yattaqoun. أَفَلَا تَعْقِلُونَ Et certainement de lui et de l'Akhirat les meilleurs compagnons qui n'ont pas quoi est-ce que ce n'est pas pour moi Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître qui ça dunya là qui se réalise ça n'est pas difficile pour comprendre sa manifestation qui est là la réalité de sa dunya là c'est pas accepter que lui elle patinance un jouet ça, les temporaires ça, les éphémères ça, voilà d'arru l'akhira. Ce qui est là dans l'akhira, l'immédiat pour ban qui n'a qu'à quoi. Mais frère, ma soeur qui est l'animal, moi je vais dire pour mon soeur le nouveau de bas, nous n'avons pas mal vol, nous n'avons pas dénigré de mien. Alors, pour qu'il nous capable de servir à la maison, à sa jouer là, comment besoin c'est qu'il nous servir pour gagner de l'Akhira. Comment nous servir Allah subhanahu wa ta'ala, il y a donc quelque chose qui est éphémère, temporaire, qui coûte, qui est la maison et imaginant ça. Servir pour développer ta foi à Allah subhanahu wa ta'ala, ou développer ta foi à Allah subhanahu wa ta'ala dans vous. الله سبحانه وتعالى يقول ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون بجس دمير الآخرة لمن يقبل سبيكين تقوى الله تقوى الله مزيد بقي إسيسا تقوى الله مزيد بقي الدنيا سا يوصي بقيني الآخرة تقيني سبسيطا الآخرة فالخير الشيخ الإيمان الله سبحانه وتعالى يقول قل متاع الدنيا قليل لا سويسونس دو سا دنيا لا بتيجيت سا اي بيرسون كي كان في كان دي دنيا ريس موسي دنيا تيجيت سا والاخره خير لمن اتقى توجو اخره لمن يقبل كما تقوى ولا تظلمون فتيلا et pas pour faire l'injustice aux autres, même le brin de fil qui est là derrière moi, il est dans. Pas qu'il y a l'injustice ce jour-là. Ce qui vous fait une vie, ce qui vous fait une semer aux abonnés là, ça même qui vous récoltez là-bas. N'a pas pour une injustice, même le brin du fil derrière moi, il est dans. Mes frères, mes chers, mes animaux, malgré tout ça, l'avertissement-là, depuis Allah Azza wa Jalla. Depuis son rasoul, depuis son compagnon, malgré ça, il y a beaucoup de monde qui peut continuer à galoper sa dunya. Pour continuer, il y a beaucoup de monde qui peut galoper sa dunya. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa man yurid thawab ad-dunya nu'tihim. Celui qui peut rendre mon manche dunya, il peut devenir sa dunya. Celui qui libère les récompenses de la dunya, depuis sa dunya la même qui pourrait compenser. Ou même il voulait tawar de l'akhira. Celui qui libère tawar, récompense de l'akhira, nous peut donner. Nous peut donner l'inha, depuis lui. Ou c'est l'aide des échakirim. Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous récompensons, pas qu'il est reconnaissant. En même façon, nous sommes à l'état malgré ma chèque et l'imam. Nous comprenons qu'il y a des gens qui ne sont pas pensés en termes de récompense de l'Akhira. Mais ce
Mais bien sûr, le problème, c'est juste le bien-être dans le bien. Des fois, nous faisons avec une intention qui me réfère à cette carte-là pour les protéger, moi, depuis le matin jusqu'à le soir, comme on dit l'après-midi, depuis le soir jusqu'à le matin. En vérité, c'est une protection pour nous. Mais celui qui a son intention, il insiste quand même. Ça, il vous protège, moi. Ça, il vous protège, moi, de sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala vous donne une récompense par rapport à son intention. Il n'a pas de mal de dire. Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense avec ce qui lui attend depuis sa manière de faire, pour vous protéger. Mais celui qui lui fait avec l'intention, qui s'approtège moi dans mon dunya, oui, en même temps, c'est dhikrullah qui m'a fait faire, il vous profite moi de l'akhirat, il vous être récompensé des deux places. Il vous récompense dans le dunya, il vous laisse une protection qui vise, et dans l'akhirat, il vous être récompensé. Vous dites Allah qui est une pierre, ma tête et soir. Après le temps de l'Hadda, ou astaghfirullah alayhi wa alayhi. Alhamdulillah, wahda, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. En vérité, ma frère, ma soeur, qui est l'imam, c'est pas le kuffar qui t'a loupé les dunya. C'est une qualité ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit malgré l'insatisfaction sévère avec le kuffar, ban qui préfère la vie dunya au lieu qui akhirat, je repousse ban dimoun depuis le chemin d'Allah et je cherche pour faire croire que le chemin d'Allah est combré, ça va n'ajouter un ligament lointain. Et connaître destination de celui qui préfère dunya au lieu qui akhirat, c'est juste l'enfer. Une personne qui préfère dunya qui akhirat, ce destination c'est juste l'enfer qui lui attend dans l'akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Fa'amma man tawa » Quant à celui qui fait une progresse par minute, « Wa adhara al-hayat al-dunya » et lui fait une préfère la vie dunya, « Fa'inna al-jahima hiya al-ma'wa » Alors, dit fait l'enfer pour se refuge. Alors, mon frère, ma soeur, qui est l'imam, connaît qui est mu'min, je n'ai pas néglige ni dunya et ni akhirat. Il ne faudrait pas qu'il y ait une personne qui est intéressée seulement avec akhirat. Il n'a pas commencé, mon frère, ma soeur, qui est l'imam. Un mu'min, il voit de bien-être dans dunya et dans akhirat. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ramnana, sinna yakoulou. Parmi, il n'a pas de mu'min qui dit ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. أول ربنا دنيا. إبقينا أكيد باب لدى آخرة. بعد أكيد باب لدى آخرة. في دمتيس دنيا. ومنهم إن قوم من نبيا من يقول ربنا جد أول رب آتنا في الدنيا حسنة دنيا سكنا دنيا دار دنيا وفي الآخرة حسنة إذا آخرة سكبو وقنا عذاب النار يقتلكم في الانفير كل من قام بشكل ايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمي لمن كنسيه لجيا من كانت الاخره محمد جعل الله غناء في قلبه celui qui se tracasse et dit après Allah met son visage dans son cœur وجمع له شمله وأدته الدنيا وهي غاضبة. الله سبحانه وتعالى لخصومي سمن زفير بكيل بجد بكيل جنس على الفاسيليتي. لتخوفك الدنيا بمين على الفاسيليتي. قلت أصحابي سنة رسول صلى الله عليه وسلم يسول فعكس آخرة. ما الجزاء؟ لتخوفك الدنيا بمين بيني على الفاسيليتي. أي الدنيا بمين أكون فيها. Les paroles sales, c'est moi qui continue. Ou même qu'à la dunya, tandis que celui qui dunya, c'est ce tracas. Ja'alallah faqrahu ba'ina 'aynayhi. Allah subhanahu wa ta'ala met la pauvreté en dessous des visiers. Malgré qu'il continue à briser, si tu continues à trouver ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait les trous juste la pauvreté. Malgré qu'il n'a pas les capables riches, mais seulement qu'il comprend les bandits plus riches.
en termes d'argent, les plus pauvres. وفرض عليه شمله الله سبحانه وتعالى سيبالي avec ce man zafir les troubles qui lui paraissaient atteints ce man objectif ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له et non il de sa dunya n'a pas pu gagner excepté ce qui lui décrétait mais ce qui lui n'a pas gagné ce qui lui était à vous lui gagner mais c'est pas sa personne là il vous trouve lui dans difficulté et Ali radiallahu anhu dit دنيا في الدون سوري دفن عليه et آخرة تبديني en s'approchant sa quelle est la souvent des enfants vint comme les enfants de آخرة et n'a pas vint comme les enfants de دنيا azouti c'est l'occasion pour faire amal et puis n'a pas rencontre avec qui qu'elle azouti c'est l'occasion pour faire amal pour faire une action pour accumuler une récompense pour accumuler une bonne action ça c'est azouti pour réalité Et n'a pas un jugement pour aujourd'hui. On n'a pas une rencontre avec quelqu'un aujourd'hui. Demain, ces jours, après, ces jours que vous visez la rencontre, il n'a pas pris la main. Ce jour-là, on n'a pas pour capable de faire un seul petit bon action, on n'a pas pour capable de faire. Ce jour-là, ces jours que vous avez une action pour passer aux balances. Ces jours que vous jugez ou d'après vous avez une action. Maintenant, la chèque est mal. كالله سبحانه وتعالى لبوتيجي كالله سبحانه وتعالى لفنه من سبي كي نتغطى سي آخرات نتغطى سي با دنيا كالله سبحانه وتعالى لديتاش من الكي عبق سا دنيا لا كالله سبحانه وتعالى لفنه نامو بالتوحيد كالله سبحانه وتعالى لفنه بديبو إغيشنا عبق شر كالله سبحانه وتعالى les protège les musulmans depuis l'innovation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre la fitna, contre le fléau. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les soulage de la frère, de la soeur, à travers le monde, de celui qui peut souffrir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soulage les souffrances. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les soulage les souffrances de la frère, de la soeur de la Palestine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mots de la mort. كي الله سبحانه وتعالى لجيري من ملاد كي الله سبحانه وتعالى لفنوه من سبي كي من أنقاتك جدين عليك لا فاسيبتي كي الله سبحانه وتعالى لفنوه التوفير كي الله سبحانه وتعالى لبيرك نكولوجية لا بي لا سيكيريتي لا بي كي الله سبحانه وتعالى لبوتيجنو إن لا فامي وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين